Bonjour, moi je m'appelle Nathalie et puis je suis graphiste en fait. Ma formation de base c'est graphiste. Donc j'ai fait une école d'art à Orléans. Je suis venue, en fait je viens de La Réunion et puis du coup je voulais faire que de l'art. Il n'y a qu'une école d'art à La Réunion donc du coup manque de peau, j'ai passé le concours, ça s'est pas très bien passé. Donc du coup je suis arrivée ici, donc un petit peu par hasard. Voilà, comme je vous ai dit, je suis à La Réunion et donc du coup à La Réunion il y a la musique aussi. Donc c'est quelque chose un peu qui a bercé mon enfance et du coup c'est un petit truc qui me manquait en fait quand je suis arrivée ici. Et du coup j'ai fait la rencontre aussi de quelques personnes, de quelques Réunionnais qui avaient monté un petit groupe de Maloya, qui est la musique traditionnelle de là-bas. Donc du coup tout de suite je me suis frayé une petite place avec eux et puis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui quoi, voilà, je suis avec eux. Donc en fait, globalement, si je pouvais me résumer, je suis quelqu'un qui aime l'art et la création en fait en règle générale. Donc en fait, j'aime la danse, j'aime la musique, j'aime la peinture. En fait, je fais beaucoup de choses. Donc souvent, on m'a dit « Ouais, mais en fait, c'est parce que tu sais pas vraiment ce que tu sais faire, tout ce que tu veux faire. » Je dis « Mais en fait, si, je sais très bien ce que j'aime faire et ce que je veux faire, mais en fait, ça se résume pas à une chose. Je suis assez éparpillée, c'est vrai, mais c'est parce qu'en fait, j'aime la création en règle générale, et qu'elle soit musicale, qu'elle soit dans la peinture, qu'elle soit dans la danse, etc. » Donc en fait, tout ce qui m'anime un petit peu et tout ce qui crée des échanges avec les gens et en fait c'est tout ça quoi. Donc ma passion finalement, j'ai un peu du mal à la résumer parce qu'en fait elle est un peu diverse et variée parce qu'elle est musicale, elle est picturale, elle est artistique, elle est créative en fait. Voilà, en règle générale, c'est ça.